you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. Yeah, 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 yeah. Come on, say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on. Of how you took away my shame. Now listen. You make something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. Just get down on one knee, legalize somebody.
my one and only. If you're happy and you know it, tap it in my, tap it in my. No second guess, I know that God will lead it the way. If you're happy and you know it, tap it in my. Just get down on one knee, legalize somebody. Yeah.
for me, I gotta stand and testify. Uneniheshimisha Yesu. This is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. On va nous lire Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. Je vous en prie juste pour couronner les écritures. Nous allons le mettre dans les mots parce que l'écriture, c'est l'essai.
Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. On va nous lire ça. Nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. Chapitre 8, verset 8. Okay. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Ne pas vous répandre pour une meilleure audition. Nous avons une petite sœur. Nous avons une petite sœur. Qui n'a point encore de mamelle. Qui n'a pas encore de sein. Mais que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Les jours où on voudra la marier, que ferons-nous? Prions. Tendre Père, nous te dédions ce moment entre tes mains, Yahweh Shaddai. Nous voulons que tu puisses prendre le contrôle et que tu puisses également accompagner ces messages dans le cœur de tout un chacun de nous. Ces moments précieux où Yahweh, ta parole vient de s'accomplir, nous voulons que tu puisses te manifester dans ta profondeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ainsi avec fraction de grâce. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous ne serons pas vraiment très longs, mais j'aimerais exhorter les mariés et nous tous qui sommes venus ici pour honorer cet avènement. Je ne sais pas si parmi nous il y a des gens qui n'entendent pas la langue de Molière, ou soit s'il faudrait qu'il y ait un interprète, il y a quelqu'un qui n'entend pas le français, ou soit qui a besoin d'un interprète, donc à Kiyombe, à Kimbala, à Chiluba, à Swahili, à Lingala, ou en anglais. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un interprète? Non. Oh, nous sommes tous africains francophones? Yes. Ah, Dieu soit loué. Mais j'ai entendu de hier cela. Donc cela veut dire, bon, aide-moi d'être mon interprète à côté de celui-là qui parle d'autres langues. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour spécial. Pour cet avènement. D'après les Saintes Écritures que nous venons de lire, les Saintes Écritures nous mentionnent quelque chose de très important. Salomon se pose la question en disant, nous avons notre sœur, une jeune sœur. La sœur est en train de grandir, mais elle n'a pas de sein, elle n'a pas de mamelle. Et Salomon l'enfant est souci. Il dit, si l'homme va la chercher pour le mariage, que ferons-nous? Une femme sans les mamelles, c'est pratiquement impossible d'allaiter un enfant, n'est-ce pas vrai? Bon, n'est-ce pas vrai? Mais vous m'avez dit que vous attendez, non? Vous n'attendez pas ce que j'ai dit? N'est-ce pas vrai? Une femme mature, c'est celle-là qui a déjà les seins. Cela veut dire qu'elle peut concevoir et enfanter après avoir enfanté à l'été. Donc, parler ici de mamelle de Salomon, c'est parler de la maturité. Donc, une femme qui n'a pas encore de mamelle, c'est une femme immature. En d'autres mots, c'est un enfant. Ça va, hein? Est-ce qu'un enfant a droit au mariage? Pardon? Non. Est-ce qu'un enfant a droit au mariage? Non. Je voudrais souligner ici que le mariage est pour l'homme et la femme mature. Si tu n'es pas encore mature, n'ose pas de s'engager au mariage. Le mariage n'est pas pour les enfants. Aidez-moi pour la dernière fois. Dis à ton voisin, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Non, non, dis-lui, regarde-lui aux yeux, au bleu de ses yeux. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Donc, si tu es encore immature
et que tu ne comprends pas l'essence de la vie, ne t'engage pas pour le mariage. Ça va? Ça va? Est-ce que les parents attendent cela? Le mariage n'est pas pour les enfants. Est-ce que les maris attendent cela? Le mariage, ce n'est pas pour l'enfant. Si tu es encore enfant, allez jouer au sable. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Amen. Le mariage que je vais parler cet après-midi est une maison. Mais une maison qui a comme fondement l'amour. Ça va? Parce que selon les droits civils, le mariage est une union légale. Selon les droits civils, le mariage est une union quoi? Légale. Cela veut dire qu'il y a aussi des unions qui ne sont pas légales et qui sont illégales. Je dis vrai? Est une maison. Mais une maison qui a comme fondement l'amour. Ça va? Parce que selon les droits civils, le mariage est une union légale. Selon les droits civils, le mariage est une union quoi? Légale. Cela veut dire qu'il y a aussi des unions qui ne sont pas légales et qui sont illégales. Je dis vrai? Comme on dit chez moi, il y a des quinois. Est-ce qu'il y a des quinois ici? Les quinois sont ici. Ils ne sont pas là. Est-ce que vous connaissez l'Ibala et Yara Tovanda? Donc, une cohabitation illégale. Donc, il y a plusieurs unions. Mais selon les droits civils, le mariage est une union légale. D'après les droits civils. Mais selon la Bible, le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a instaurer les mariages. Ça va? C'est une union sacrée. Ce n'est pas l'union sacrée qui est à la République démocratique du Congo. Hein? Le mariage, c'est une union quoi? Sacrée. Dans les unions sacrées, il y a des pactes. On ne peut pas rompre ça. On ne peut pas jouer avec ça. On ne joue pas avec les mariages. Et je vais rien rappeler, peuple de Dieu, cet après-midi. Le mariage est une partie de la perfection. Parce que dans la création, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Genèse chapitre 2, verset 26, nous dit ceci. Dieu créa l'homme au singulier, il les créa à son image au singulier, il les créa homme et femme. Donc quand l'homme a été créé, il était femelle et mâle dans un seul corps. Et voilà, vous allez remarquer, quand Adam s'est senti tout seul, Dieu a dit, je dois reproduire un semblable à Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait endormir Adam pour faire sortir Ève à Adam. Donc l'être que Dieu avait créé était donc être spirituel, invisible, mais qui possédait des semences, femelles et mâles. Voilà, quand l'homme se marie, il retourne à son état initial de la création. Il devient quoi? Complet. Quelqu'un a entendu? Pour chuter. J'aimerais définir le fondement du mariage. Cela veut dire l'amour. L'amour, selon l'étymologie hébraïque, comporte trois termes. Le premier, il y a l'amour qu'on appelle Eros. L'amour Eros, c'est un amour physique qui est lié au sentiment. Un mauvais amour, un très mauvais amour. L'amour Eros. J'aime cette femme-là parce qu'elle est belle. Moi, c'est à Facebook. Et les belles, quand on va commencer à prendre des photos, on va poster cela sur Facebook. Et les gens
font croire que, en tout cas, j'ai vraiment une très belle femme. Mais en oubliant que la femme ou la beauté est une fleur qui peut faner d'un moment à l'autre. Oh, ce qui est fané comme fleur, ça reste à jeter, n'est-ce pas vrai? C'est un amour très mauvais. L'amour est rose. J'aime cette femme-là comme les Kinois disent, moi, si Zoto, a voyu combien la peine Zoto est quitté. Et ça ne peut être silly. Comme on l'a dit, vive-moi, tiens, foin, tiens. Alors, on mène et quitte. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite? C'est jeter. Et là, cet amour, on refuse l'amour Eros. Et il y a un deuxième terme. C'est l'amour qu'on appelle philéo. L'amour pour l'intérêt. Je vais la marier parce que elle parle bien français. Surtout pour les complexés, ils sont comme ça. Je veux les marier parce qu'il est trop diplômé. J'aime donc la marier parce qu'elle travaille, oui, il travaille. Il a une bonne positionnement dans son travail. Cet amour intérêt est encore condamné, qu'on appelle philéo. Ça va? C'est lui qui a marié pour l'intérêt, il n'a pas marié l'individu, il a marié quoi? Les intérêts. Encore un mot fermé. On parle ici, on exhorte les mariés, et vous qui êtes déjà mariés, vous devez corriger votre amour. Ça va? Ça va? Oh, je suis un ennemi? Non. Oui, vous êtes resté calme, j'ai peur. J'ai mal parlé? Non. Si j'ai mal parlé, pardonne-moi. Je suis votre frère. Je vais avancer. Amen. Pour terminer, le tout dernier terme pour l'amour, c'est l'amour qu'on appelle agapao. L'amour agapao, c'est l'amour divin, l'amour sans intérêt, l'amour inconditionnel. Cela veut dire, tu aimes ton bien-aimé tel qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de diplômes. Ce n'est pas parce qu'il occupe une bonne tête, je ne sais pas, un positionnement dans son travail. Ce n'est pas parce qu'il est belle. Je l'aime, c'est comme ça. C'est l'amour qui est du cœur. Ça va? C'est cet amour-là, lorsque lui, second écrit, il différenciait dans son français, il dit charité. Ça va? Charité. Si vous lisez Paul au livre des Corinthiens, chapitre 13, Paul définit l'amour à la parole, la charité. Elle est pleine quoi? Il est plein de patience, la charité, plein de bonté. Allez lire là-bas, vous allez comprendre. C'est cet amour-là que je parle cet après-midi. C'est cet amour-là qui nous unit aujourd'hui. Malheureusement, les gens qui devraient montrer au monde l'amour divin, la parole, ce sont nous qui s'appelons enfants de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu qui se marient le matin, ils divorcent après-midi. Donc, le soir, ils vont encore se remarier. Voire même les pasteurs, ils se marient le matin, à 12h, ils se divorcent. Alors, la femme devient sorcière, donc à 17h, se remarie encore. C'est parce qu'on ne comprend pas. Ça va? Voilà pourquoi, quand Paul vient, il définit l'amour. Laisse-moi avancer à côté ici. Est-ce que vous sentez l'onction comment je sens ici? Ici, il y a du parfum. Il faut être toujours à ses côtés. Ici, il y a du parfum. Amen. Est-ce que vous le sentez? Hein? Amen. Il y a du parfum ici. Cet amour que Paul, quand il parle, il dit quoi? Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'au sacrifice quoi? Suprême. Papa, toi, tu te plains tous les jours. Ma femme, tu fais des rapports auprès des belles familles tous les jours. Est-ce que tu as encore payé les prix suprêmes? Les prix suprêmes, c'est mourir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Écoutez la recommandation. Marie, aimez vos femmes. Au modèle de qui? Au modèle de Christ qui a aimé l'Église. Cela veut dire quoi? Dieu nous a aimés avec nos imperfections, avec nos erreurs, avec nos défauts. Il nous a aimé tel que il a même accepté de mourir. Amen. Si Dieu peut comptabiliser nos erreurs et nos péchés, personne n'ira au ciel.
Voilà pourquoi quand Michel vient, il dit quand même Dieu me pardonne les péchés, il les jette dans le fleuve d'oubli. C'est comme si quand il te pardonne, il te regarde, c'est comme si tu n'as jamais péché. Alors on dit à l'homme, hein, aime ta femme comme cela. C'est pourquoi je vous ai dit l'amour, ce n'est pas pour les enfants. Si tu n'es pas encore mature, ne te marie pas. Dis à ton voisin, si tu n'es pas encore mature, ne te marie pas. Ça va. C'est pourquoi lorsque vous allez observer qu'il y a un homme, chaque fois qu'il décide avec sa femme pour dire je regrette d'avoir à se marier, en tout cas il faut lui dire que bébé, cesse de porter les couches. C'est un enfant, un bébé. Cesse quoi? De porter des couches. Parce que le mariage demande des nerfs. Et il y a des femmes qui vont quitter chez eux avec son éducation et qui viennent dans ta vie. Ce n'est pas facile des éducations différentes de cohabiter ensemble. Pour cohabiter ensemble, il faut s'exciter. Ah, vous ne l'avez pas entendu. Amen. Je suis méchant. Amen. C'est comme si vous n'avez pas la joie. C'est très profond. Hein? Amen. Regarde cet homme-là qui fait toujours des rapports. Ma femme a fait, ma femme a fait. Même les amis, tu parles. Tu commences à me rencontrer à la rue. Ma femme a fait. Il m'a dit, enlevez de porter les couches. Tu veux les pantalons? Je te donne les pantalons. Prends mon pantalon. Le vieux m'a dit. C'est pourquoi j'avais dit à ma femme, lorsque le jour, je te mettrai à la porte, et que tous les gens ont entendu que je te mets à la porte, je ne te ferai jamais retourner chez moi. Mais ce qui veut dire, je suis incapable. Je vous dis la vérité. Lorsque le mariage, toi tu es incapable de maîtriser ta femme, il faut qu'une autre personne ailleurs puisse venir maîtriser ta femme. Ce qui veut dire quoi? Incapable, c'est-à-dire immature. Tu as la force de maîtriser toutes choses, mais tu ne maîtrises pas ta femme. Et tu dis, tu es l'homme. Elle parle beaucoup comme si on l'a branché au courant. Mais débrancher seulement la fiche. Si tu débranches la fiche, tu ne vas pas encore parler. Tu ne comprends pas parce que tu ne sais pas trouver là où se trouve la fiche pour les brancher. Voilà pourquoi tu dis, elle me dépasse. Cherchez la fiche, tu vas la maîtriser. Amen. Je vous dis la vérité. Ça va? Il y a des parfums ici. Vous les savez? Bon, je vais juste m'arrêter. Le mariage est un lien de la perfection. L'homme doit aimer sa femme comme le Christ. La femme doit être soumise à son mari. L'amour de la femme envers son mari, c'est quoi? La soumission. Ce n'est pas la soumission des rames et des fétichés. Ce n'est pas la soumission pour aller mentir ensemble. La soumission selon la parole de Dieu. On a dit la femme soit soumise. Nous avons dit, on fait marier la sœur le matin, le soir. Notre sœur, il devient kimbanguiste. Vous connaissez le kimbanguiste? Excusez-moi, les kimbanguistes, vous êtes ici. Le matin, on fait marier la sœur. Le soir, la sœur devient kimbanguiste. Oh, quoi? L'homme a dit que non. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, dans mon église, femme soit soumise. Ah! Ah! Cette soumission-là, on peut appeler ça soumission aveugle. Ça va? Alors, pour conclure, j'aimerais dire aux mariés qui sont ici, corrige un peu ton mariage. Si tu avais aimé ton mari parce que tu as entendu qu'il était un homme fort physiquement ou il sait bien satisfaire donc la femme, tu as commis l'erreur parce que Dieu peut devenir impuissant. Amen. Là, c'est l'amour éros. La Bible dit, c'est Dieu qui a créé les hauts et les bas. Par moment, on est en bonne santé. Par moment, on peut être bouché. N'est-ce pas vrai? Et quand l'homme sera donc dans l'incapacité, tu vas les rejeter? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est parce que les hommes sont en train de chercher ces femmes-là. C'est parce que les femmes également sont en train de chercher ces hommes-là. Les hommes pleins d'amour à Ross. C'est parce que, donc, quand l'homme prenait, je ne sais pas moi, il était 4 fois 4, 6 fois 6, 8 fois 8. Toutes les fois sont tombées.
C'est pourquoi je dis toujours aux femmes, il faut faire attention. Ne pensez pas que ton mari qui est avec toi là, bon, ta fiancée, ton fiancé ou quoi, ce qu'il fait là hier, ce n'est pas ce que vous allez vivre au mariage. J'ai envie de dire aux mariés, c'est aujourd'hui qu'ils vont comprendre la vraie vie. Je vous dis la vérité. Une personne que tu ne te mets pas tous les jours, il n'est pas celui que tu vas comprendre après des temps. Donc, je suis presque à la fin. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. On ne se marie pas pour se remarier. Si tu n'es pas encore arrivé au terministe, n'ose pas. Ça va? Ça va? Tu peux marier une femme qui est encore au mess. Elle entre dans le mariage. Donc, parce que, attendez, la paix de la femme, c'est Boaz. C'est ce que Rita a dit. Plutôt, Naomi a dit à Rita, je vais assurer ta paix. La paix de Rita, c'était Boaz, le mariage. Donc, comme elle a trouvé quand même l'homme de son cœur, pouf, une année de mariage, la femme devient payée grâce. Oh, moi, je n'aime pas les femmes. Patapouf. Oh, papa, qu'il puisse aller prendre quoi? Des vinaigres. Oh, non, non, moi, c'est taille. Ah. Parce que, au balaki taille, amour et rose, tu vois taille, bafouki, boum. Ou bien, comme on dit, comme une poule, ou comme une tonneau. Avant nous, ça la sonne. Parce que tu ne l'aimais pas du cœur. Tu aimais sa masse, tu aimais son visage. Un faux mariage. Que Yahweh te bénisse. On s'est marié pour la vie. Je crois que toi qui es déjà marié, tu peux corriger. Toi qui vas te marier demain, tu dois corriger. On n'aime pas l'homme de physique. Les premières vies de mariage, c'est de physique. Hey! La première beauté, c'est de physique. On regarde les yeux. On regarde les nez. On dit, ah, en tout cas, ça va. Mais lorsque vous allez entrer dans les mariages, vous vous habituez. La beauté, c'est ce qui va tomber. N'est-ce pas, les mariés? C'est la beauté de l'intérieur qui va dominer. Cette beauté-là consiste quoi? Comportement et éducation. C'est celle-là qui sera là. La meilleure beauté que la beauté physique. N'est-ce pas vrai, les mamans? Ah, nos mamans ne sont pas ici. Ce que je dis, c'est une vérité. La vérité, c'est ça la vérité, la vraie lumière. La beauté physique, première vie. Mais attention, si la femme ou l'homme a un mauvais caractère, tu n'auras pas même le courage de faire les enfants avec lui. Quand tu les regardes comme ça, c'est comme si un ballon d'air qu'on a tué. Un homme senti, une femme sensible, ne donne pas le coup même de les regarder trois fois. L'homme est bien ailleurs. Quand il regarde chez nous, le visage est bloqué. Sensible est là. Vous connaissez les sensibles? Nous allons passer à la cérémonie. Ça va? Quelqu'un peut dire à Dieu merci pour la nourriture. Vous êtes bien servi? Écoute. Ah. Vous étiez bien servi? Oui. Vous avez mangé? Oui. Tu as mangé, tu n'as pas même payé la facture. Tu ne peux pas dire merci. Merci. Dis seulement merci à Dieu. Merci. Nous allons passer à la cérémonie. Est-ce que quelqu'un est d'accord qu'on passe à la cérémonie? Oh, quelqu'un est d'accord? Oui. À présent, nous allons recevoir la famille d'un homme qui a fait honneur à une famille. Nous voulons que la famille de Marcelin Moussassou, j'ai bien prononcé, Moussoussa, puisse se mettre debout. Nous allons accueillir la famille de Marcelin Moussoussa. Levez-vous. Sous vos acclamations, bien sûr, accueillons la famille du marié. Je n'ai pas entendu les cris de joie. Merci beaucoup. Pour ne pas vous faire élever trois fois, êtes-vous d'accord que votre enfant se marie aujourd'hui? Manifestez votre joie alors. Oui. Manifestez votre joie. Merci beaucoup, vous pouvez nous asseoir. Et nous allons recevoir la famille qui a trouvé honneur.
donc d'être béni d'un bel homme. De la belle famille, de se lever, de se mettre debout. Que la famille de la femme peut se mettre debout. Nous allons l'accueillir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. On en profite de demander à la famille, parce que selon les saintes écritures, je ne dis pas selon l'écriture, vous allez m'excuser. Parce que d'après notre culture, on ne donne pas la dot. Mais dans nos cultures, selon la Bible, il faut. Si dans ta culture, on ne donne pas la dot, et que tu as accepté le Dieu de la Bible, il faut marier avec l'homme de la dot. Parce que donc c'est un pouvoir d'irachat pour avoir l'autorité sur la femme. Ça va? On ne m'a rien corrigé ça parce qu'il y a un monsieur qui a dit, laisse-moi me marier à une américaine, là-bas je ne payais pas, je ne vais rien payer. Par contre, ce sont eux qui font. Il y a des hommes comme ça, égoïstes jusque pour les mariages. Alors, est-ce que la famille, vous avez réussi tout ce qu'il faut pour marier votre enfant, pour ne pas vous faire asseoir? Vous avez réussi tout? Ok, veuillez vous asseoir. Nous voulons passer donc à la cérémonie. Nous allons inviter. J'aimerais qu'on. Bibala Monica, on ne peut pas me lancer ça. Et ça n'est pas dans l'Olympe de j'aime ça. La Libala. Quelqu'un s'est chanté ça. Solo Vatan la capitale. Et pendant ce moment-là, j'invite l'homme de s'avancer. L'homme du soir, l'homme de l'événement. J'aime ce monsieur, merci beaucoup. Il est là. Vous pouvez avancer. Merci beaucoup. Vous les voyez? Vous les voyez? Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Il est l'homme capable. L'homme mature, c'est celui qui est capable, qui ose, qui affronte. Parce que bientôt là, il est dans l'histoire de la réalité. Ça va? Il s'appelle Marcelin. Vous le connaissez? C'est vrai? Hein? Je n'ai pas inventé ce nom. C'est son vrai nom? Ah. Alors, je vais appeler la sœur de s'avancer. Sous vos acclamations, bien sûr, elle s'avance au bas de ton dit, à ma droite, à ma gauche. Avance-toi à ma gauche. C'était à ce moment, il n'a pas une joie qui peut dépasser celle-ci. Il n'a pas le bonheur qui peut dépasser la famille. Il n'a pas le bonheur qui peut dépasser la famille. Elle est là, mais je n'ai rien les inviter tous les deux de se regarder face à face. Tu peux avancer, mon frère? Ok, regardez. Ok, tenez-vous là. Ma soeur, avancez-vous. Regardez. Vous en face. Ok. Avant de passer donc à la cérémonie, je n'aimerais pas que Marcel puisse connaître ce que Jacob avait connu. Hein? Vous connaissez ce que Jacob avait connu? Donc, il était venu pour marier une femme, on l'a donné une autre. Alors, nous allons demander à notre frère Marcelin d'enlever donc ses voiles et nous dire si c'est réellement la femme qu'elle, il est vraiment ici pour s'unir devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que vous pouvez enlever donc le voile? Nous voulons savoir. Hein? Excusez-moi, est-ce que c'est elle? Oui, c'est bien elle. Ah, vous avez entendu. Hein? Ce n'est pas une autre. Hein? Merci. Juste pour 3 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut s'opposer pour unir ses frères
et cette sœur en mariage. Peut-être Marcelin s'est marié au Congo. Alors il va encore se remarier ici. Peut-être la sœur Marceline, c'est la femme d'autrui. Alors qu'il va encore se marier ici. Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut s'opposer donc à cette cérémonie que nous voulons faire. Il y a quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un? Merci beaucoup. Merci. Je vais dire ceci. L'Église ne fait pas marier quelqu'un, ok? On est d'accord? L'Église ne fait pas marier quelqu'un. L'État aussi ne fait pas marier quelqu'un. C'est la famille de filles qui marie leur fille. Et lorsqu'il se rend auprès de l'autorité civile, lui, il constate ce qui s'est passé dans la famille. Il prend quoi? Acte. Et nous aussi, l'Église, nous constatons seulement et nous prenons quoi? Acte. Ça va? Ce n'est pas que non, non, les pasteurs ont les mots, l'Église a les mots de dire que non, il se marie ou pas. Non. Ça va? Ça va? Ok. J'ai devant moi un bel homme. Vous le voyez? Oui. Wow. Un homme à la taille de Kimo Mwanza. Wow. Donc, au visage d'un ingénieur, d'un magistrat, d'un docteur, donc chirurgien. Wow. Un bel homme. Wow. En tout cas, mais je ne sais pas hein, comment c'est un bel homme. Vous le voyez comme moi je le vois? Vraiment. Et à ma gauche ici, j'ai une belle et jolie dame. Donc, comme donc, on dit une Barbie, on dit Barbie ou Barbie? Il y a une Barbite, laisse-moi ajouter Barbite. Hein? À la taille de Barbite. Est-ce que vous le voyez comme moi? Oui. J'aimerais demander à notre frère. Marcelin Masousa. Moussousa. Il faut comprendre, moi je m'appelle Makanda, voilà, je l'ai dit, Marcelin Moussousa. Cher frère Marcelin Moussousa, devant Dieu, devant ta famille, devant l'Église et plusieurs témoins, consentez-vous de prendre en mariage comme épouse la demoiselle Pascaline Kabanza. Elle est ici présente. Oui, j'accepte la main. Merci beaucoup, merci. Vous l'avez entendu, hein? Est-ce que quelqu'un l'a poussé? Non. Il a mis une mélodie? Non. Il y a l'âme derrière lui? Non. Ok. Marcelin Tcheka. Ah, ah, ah. Merci. Merci. Je vais passer à ma sœur. À ma très chère sœur. Ma fille. Pascaline Kabanza. Kabanza, c'est ça, non? J'ai bien dit Kabanza. Oui. Consentez-vous devant Dieu, devant l'Église, devant la famille et plusieurs témoins de prendre en mariage Monsieur Marcelin Moussousa comme ton époux pour la vie? Oui. Elle a dit oui, mais elle n'a pas accepté. Bon, là, je vais vous renvoyer à la maison. Parce qu'elle a dit oui, mais elle n'a pas accepté. Donc, je répète ma question. Ma sœur, Pascaline Kabanza, devant Dieu, devant l'Église, devant ta famille, plusieurs témoins qui sont venus ici, acceptez-vous de prendre en mariage comme époux Monsieur Marcelin Moussousa, ici présent? Oui.
Alors, vos acclamations sont limitées. J'aimerais y attendre longtemps. Ça va? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous allons les unir. Mais avant de les unir, il doit quand même passer donc au fait. Mais ils ont prévu, même, comment dirais-je, les anneaux de mariage. Pas que ce n'est pas biblique, hein, les anneaux. Oh, si je suis marié, j'ai fait tout mariage. Mais ils vont se faire passer au fait. Donc cela veut dire quoi? Ils vont s'introduire les anneaux tout en prononçant donc des belles phrases, des gros mots, comme les Français, des gros mots. Alors ils vont se faire lever. Ils vont se marier pour. Ici, c'est les cœurs qui parlent. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu comme moi j'ai entendu? J'ai entendu les cœurs qui se parlent. Si on est en physique, on allait dire les décors. D'attraction vont faire quoi? Les aimants. Vous avez entendu? Ils se sont fait lever. Ils se sont promis devant Dieu et devant l'église, devant plusieurs témoins de leur famille, qu'ils se sont aimés pour la vie. Ils se sont promis le bonheur. Moi, je crois que c'est pour cela que nous allons aussi les unir pour le bonheur. C'est ce que nous allons proclamer dans les mariages. Ils sont unis pour le bonheur, l'avancement, les progrès, pour des bonnes choses. Nous allons vous inviter de vous mettre debout et les couples vont s'agir. À cette dans les mains. Élève juste ta main droite vers les mariés, souhaiter des bonnes choses. En tout cas, les jeunes gens comme eux s'engagent aujourd'hui dans cette aventure où beaucoup n'ont pas pris, mais que Dieu les accompagne. Que le Dieu du ciel soit avec eux, souhaitait que Dieu puisse être leur soutien. Donc devant tout le vent qui peut s'élever dans cette donc, voie qui vient de s'engager. Nous allons tous prier. Yahweh Adonai, par l'autorité ministérielle en vertu de ta parole, Yahweh, je consacre ces couples. Yahweh Marcelin, Moussoussa Adonai, Yahweh devant toi. Je les unis Adonai en mariage comme époux et épouse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à la date d'aujourd'hui. Il vient d'accomplir Yahweh Shaddai une portion de ta parole. J'aimerais que les cieux s'ouvrent Adonai. Que tu ne verses sur eux, Yahweh, une forte bénédiction, comme tu l'avais fait ce jour-là au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Lorsque tu les as unis, tu as déclaré qu'ils soient bénis. Ainsi, je le bénis Adonai, au nom puissant de Yahushua Amashia. Laisse que Yahweh, tout ce qui pouvait être comme les liens, qu'il est réclamé dans la famille par les sangs. Que Yahweh Shaddai ne pouvait pas se marier, il ne pouvait pas avoir le bonheur qu'aujourd'hui, tout ce lien-là tombe dans les noms puissants de Jésus. Laisse que le ciel Adonai puisse découvrir El Shaddai. Yahweh bénit leur sang, bénit leur fruit des entrailles Adonai. Que ce couple Yahweh Shaddai soit heureux. Que ce couple Adonai Yahweh Shaddai demeure Adonai, dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité Adonai, pleine d'harmonie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bénis-les Yahweh Adonai. Accorde-les Yahweh Shaddai tout ce que leur cœur désire. Qu'ils aient Adonai les enfants, les garçons et les filles Adonai. Qu'ils puissent aller de l'avant Adonai. Que tout ce qui a été prévu Yahweh Adonai
dans ta parole pour le mariage, soit leur partage, soit leur soutien, soit leur soupassement. Plante Yahweh Shaddai, l'ange de Marcelin, dans le peuple de Marcelin. Quand Marcelin va se lever pour penser aux hommes, qu'il voit que Yahweh Shaddai a nommé Marcelin. L'homme le plus beau, l'homme le plus parfait, Yahweh Shaddai du monde, c'est toujours Marcelin. Ainsi, plante l'ange de Pascaline dans le cœur de Marcelin. Quand Marcelin peut se lever, penser à la femme, Yahweh qui voit toujours Pascaline, la plus belle de toutes les femmes du monde, Adonai. Et que Yahweh Shaddai, leur cœur soit uni, leur esprit soit uni, leur pensée soit uni, ainsi que leur corps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se levera, Adonai, pour séparer ce que nous initions aujourd'hui en ton nom, au nom de la parole d'Adonai, qu'il soit totalement confondu. Tous les vents qui peuvent se soulever, Adonai, venant de l'influence de l'eau, de la terre, du vent, Yahweh ou du feu, soit nul et sans effet. Yahweh dans toutes les épreuves, fais-le Yahweh Shaddai toujours vainqueur. Au nom qui dépasse tous les noms, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons su prier avec foi et action de grâce. Soyez bénis et soyez prospères à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. J'aimerais que les couples vous regardent, vous pouvez regarder. Ouais, je sais que les yeux qui sont ici vont vous permettre, mais regardez-les. Ils viennent de vous rejoindre. Je peux dire, comme Dieu avait dit, voici maintenant, ils sont devenus comme nous. Nous les mariés. Ils sont devenus comme nous. Regardez-les. L'église, je vous présente, papa. Je vous présente les couples mariés de Marcelin Moussoussa devant vous. Est-ce que vous pouvez acclamer? Ils sont mariés, maintenant j'attends tes dons, des cris de joie et vos acclamations. Soyez bénis. Soyez bénis, je vous en prie. Nous allons toujours rester debout et nous demandons au couple, donc parrain, de les faire sortir. Nous restons debout parce que ce sont eux qui sont à l'honneur. Non, ne vous mettez pas, s'il vous plaît. Alors, on peut nous libérer les mariés parce qu'on a fini avec eux. Et les cordons veulent me dire qu'il y a un détail qui est oublié. Donc il devait signer le livre d'or. Je vous en prie, je vous en prie. Veuillez vous asseoir une minute seulement. Je vous en prie. Les mariés, de signer seven. Certificat de mariage. Nous, Suzine, Philippe Doran Makanda, pasteur responsable de l'Universal Ensemble of the Saints, certifié par la présente quai. Le nommé Marcelin Moussoussa Boulambou et Pascaline Kambaza sont mariés dans notre assemblée selon les recommandations divines de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach. En foi de quoi les présents certificats leur est délivré en ces deuxièmes jours du mois d'octobre de l'an 2021 à Minnesota. Modérateur de la cérémonie, Patrick Ilunga. Orateur de la cérémonie, pasteur Philippe Torrent Makanda. Maître de cérémonie, pasteur Philippe Torrent. Témoins sont de parrains, papa Lambert et maman Bibiche, qui aussi vont venir premièrement pour signer. Et après, nous allons appeler les mariés pour signer. Thank you.
madame n'aille pas. Maman, maman, c'était en ce moment. Libala et Banda qui me déliaient. Ah, maman, c'était en ce moment. Libala et Banda qui me déliaient. Maintenant, c'est le tour de marier. Allez, devant, vous en avancez. Merci beaucoup. Sous vos acclamations, nous allons demander au parrain. Nous allons demander au parrain de les aider pour sortir. Et c'est après que nous tous, nous allons aussi sortir après. Et c'est à ce terme que nous allons finir aujourd'hui ici. Que Dieu nous bénisse tous. To me, Baba. Lord, I say, for your love, I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, yeah. I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. Sorrows and now I'm free. I got me Ebru, hallelujah, Ebru. I got my power, hallelujah, power. Because of Jesus, every day that shagara de do. Double, double, heavenly blessings now him I de receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always the follow me. Yeah. He has given me victory. Heavenly blessings now him I dey receive. Ah, yeah. God in your grace and mercy is always the follow. Yeah.
kolaga. Baby, plenty money for my shokoto. Emana njiji si kolaga. Njiji kolaga. Njiji mu kolaga. Baby, plenty money for my shokoto. Anu musalambala. 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 My life musalambala. 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 Everybody salambala, eh. Ekuna salambala, eh. Ajia salambala.
into dancing, because we cannot open this night without you giving us the get-go. So you selected a very good song. I think you will dance like you never danced before. And I'm sure I want to see that. Marceline, as we called you before, Marceline, we start calling you Marceline, that fits, you know, for the wife of Marceline. I heard in your family you don't dance. Yes, I heard. I don't know if that's true, but we have there some very strong rules that you don't dance, you don't play this music, you don't play that music. Thank you, Papa. But this is a special occasion where we can see for the first time Pascaline dancing like she never danced before. There is a special song that she selected, and I'm sure all the beautiful ladies here and well-dressed men will join us here to show what you got. Marceline and Pascaline, I think you guys should really come down here and show us what you reserve for us. Tu es l'aide de mon
nakosenga na tata nzamba batela bolingo na bizo lokola batelaki ya Marina Joseph nakosenga na nzamba pesa biso mapamboli ebele tobokoloba na tozwa mpe bakoko na biso Irene ya Yves Mwamba tu es à moi je suis à toi maman mopandi na ngai Jani Mbuli Leli Oyo kado Zamba Salelina Ezalio Je tiens mon mariage Nakangi Matoyi Yope Kanga Matoyi Yama Kelele Yalibanda Ah 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 Oh yeah Nalobio Zalia Soki ye moko kolo boni balobi Ki n'est pas bon que l'homme soit seul Boni mo tigala mon zimba po ani To se peli lelo Bona li Studio Maxi Media. Lokwa Olivier et Kaola et Pessi Chama Libala Mabuela Libala et Dalinda qui sa yabato mi balé Bangani lelo Tosangani lelo pona konore bango Na chali ton kokote la tanga mama na kale Patricia Mbuli osa wapie Inga ye Jade Kaunti Osamana Nisale si Jami Pangasuti Sekela li bala Sekela li bala Sekela li bala Kokanga mana Yesu Jova Shalom Chica Johnny Kitoko La mine d'Ambo, poteau na poteau
Arnold Fuma.
Yahweh, le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent et le Dieu omniscient, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as institué le mariage, tu as permis que nous soyons ici rassemblés juste pour célébrer l'union que toi seul, dès le commencement et dès la création, avant toute chose, tu avais signé ce jour que Marcelin sera uni avec sa charmante aujourd'hui. Et nous sommes témoins juste pour célébrer ensemble. Yahweh, toi tu es le pain de vie. Et tu as dit, on ne vivra pas seulement par la pain. Mais nous savons aussi que le pain est très nécessaire pour notre santé. Nous te présentons le repas qui a été préparé par le même homme. Papa, règne le purifié et nous qui allons utiliser, que ça soit confortable dans nos chairs. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions. Amen. Thank you, Pastor. Among the people that make this event very special, we have our caterer that I would like to introduce to you. She did a very wonderful job when we were in Iowa, and we decided to do it again. So I'm sure you guys will enjoy this food. And then we'll have a number for you if you really, in any occasion, want to invite her to come to Minnesota, she will gladly come to Minnesota. The food will be very good, I'm sure you will appreciate, and then you will thank us there. Thank you. Bonsoir à tous. Moi c'est les Français, c'est pas l'anglais. Je vais d'abord commencer avec nos hôtes, le mari ainsi que le parent, suivi de filles et garçons d'honneur. On commence d'abord avec, comme j'ai dit, avec le mari, et je vous souhaite bon appétit déjà. Thank you very much, we just appreciate you. We'll start with the groom and the bride, and then the whole body and the parents as well. Et puis à Zana, ma faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais n'a pouti et pas inaïe. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. N'a seigneur salaïe en olou. Bissika banda qui kokwea. Et comme un point fort naïe. Mote melingie. Yé ho yo. Lingondanga e oyo na lota kyango na ndoto lo sambo efuti pengayo ye oyo kobombe sili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yango yo. Oh, yeah, 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 oh, yeah
Moni pembe ndembu malosa mbonga nzambe ya pesi benga yo oye bina lingi bino ye bena lingi ye minde aza motu ya konanga mbo zambe la dopa mba mai oh 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 ye oyo olingo nanga ye oyo nalota kiango nanga La kisa kobo mate Kobo mesili ye oyo Adaba moye ye oyo Moutwa koutika te akende ye oyo Ya koutika te alela ye oyo Moutwa koulenge la ye oyo Nzambe ya besi Toi comme mana famille, moto ya koyoke la ye oyo, mon colonna convoi ma kakaye, moto ngana lingi ye oyo, baninga boyoka ye, moto boluka ki ye, ale ki bango nyonso ye oyo, moto azeli sanga ye oyo, moto akopesa bolingo ye. Kola na ye bana ye oyo Moto ya ba principe ye oyo Mote ma elingi Aza wapi ye E oyo libusu nanga Ale ki bango nyoso ye oyo Merci Jésus Laisse-moi le temps d'effacer
Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Effacer les peines de ton cœur. Laisse-moi le temps d'effacer, effacer, effacer les peines de ton cœur. Oui, je le sais souvent, l'amour est la cause des maux. Je t'aimerai pour tes défauts, et cela bien plus qu'il n'est. Il dit qu'il a mal pour la masse, et tout le monde a battu. Il a pas ça pour la masse. From the Lord, they know they see I'm for marketing. A good woman is a blessing from above. Her type will not there for marketing. I tell you more, Yaku. When you batra kulisa seva, you know more, those Yaku. When you batra kulisa yakumu. Always loving everybody, no discrimination. What a demand, what a demand, no competition. Oh,
mouvement ensemble. You don't want to say that you're single, right? Single man, you have to choose. This is opportunity to be looking at. Now it's opportunity for you to look at which one you want to choose here. You can stand up. You can stand up. Your parents are men. You can stand up. All right. So, all of you that don't want to show up that you are single, and then please, don't blame the player, right? So blame the game. Because now we have a bunch of guys here that are just looking. We have ladies here. Beautiful. Pascaline, who do you think will pick up the bouquet? You don't know? You sure? I know a guy here. This guy doesn't want to go. I don't want to lose, man. I want to go there. Awesome. Come here, my man. Come here. That's my man here. There is a chance that Aston will be next. Don't ask me how I know. Right? So, I'm not step. Alright. So, position yourself, Pascaline. Don't throw it so high because you can get hooked up over there, okay? Try to throw it as low as you can. Alright? Okay. All the ladies on this side. See? All of you. All the ladies. Guys, come on this side. Angelique, don't go there because you are taken. Come on, please, come here. This is mine. This is mine, please. All right. Get ready. Say your prayer. My darling princess. Now that you're getting married, okay, awesome. May you find happiness, okay, and peace. Move over here. May your husband be your friend, your lover, your father, and your brother. All right. May your marriage be fruitful. And may your home stand the test of time. One, two, three. Your joy, you can fake it or not, because I know ladies sometimes they can fake it. Okay? So you can fake it or not. But let's try. Yeah. All right. Yes,
ici, c'est la bonne.
Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, ça sera ton pied. Kama naendesha ndege, naendesha ndege.
hata mutena mazuri moyo wangu mekupa ukapokea oh siwezi anza kulalama mapenzi pesa wakamchukua pengine kesho nikajutia sister oh ili penzi darubini mapenzi kwako nitati oh moni baby ala ili penzi darubini mapenzi ya rumba nisha kunywa nisha lewa oh ni bembele mapenzi ni deke weno madewe uzuri wake pamoja na sifa zake mabebi wewe kwa mapocho pocho kila mwanamke uzuri wake pamoja na sifa zake mabebi wewe nishaweka pocho macho legeza kiuno pepeka kichwa madele ubongo sokota macho legeza kiuno pepeta kichwa madele ugongo sokota ulipopazana mapenzi usiku ya moto usije ni mwagaga nitata ukachanganya na sira wakakwambia wamea ni wavunja ndoa hey. Oh, ni pembele kichura navyocheza kichura anaruka kichura chu chu chura akicheza kichura navyocheza kichura anaruka kichura chu chu chura akicheza kichura navyocheza kichura anaruka kichura chu chu chura akicheza kichura navyocheza kichura anaruka kichura chu chu chura sukitoko limana ya solo haleluya sukitoko Hallelujah. Ah, kemo kemo.
Na kobanga te, na kobanga te,
Kivundo. Lokuta et Yakana ascenseur, vérité et un escalier pays Koumi.
Ça bouge, 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 ça bouge
Toluta, 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 Toluta.